Et alors, c'est à toi? Eh, je sais bien, mais j'hésite. Tu vas pas hésiter jusqu'à demain, non? Mon capitaine, nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 30 degrés, nous, combien nous avons? 30. Et nous allons en 34. Et c'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Panny se coupe à cœur. Si tu avais suivi le jeu, tu le saurais. C'est ça? Ne vous gênez plus. Ne vous gênez plus, tous les deux. Montre-lui tes cartes tant que tu y es. Mais je ne lui montre pas mon jeu. Je lui ai donné aucun renseignement. De toute façon, nous jouons à la muette. Et il est défendu de part. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Jamais vu les parties de championnat. J'ai jamais vu une figure comme la tienne. Oh, toi, tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Tu es beau. On dirait la statue de Victor Gelu. Oui, mais moi je me demande toujours si Panny se coupe à cœur. Et je te prie de ne pas lui faire de signe. Hein. Je ne lui fais pas de signe. Je bats la mesure. Tu dois regarder une seule chose, hein. Ton jeu. Et toi aussi. Bon. Si tu continues à lui faire des grimaces, hein, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi. Hein. Ne vous fâchez pas, Panny. Ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterai pas une seule seconde si j'avais la certitude que Panny se coupe à cœur. Et je te répète pour la énième fois que l'on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Mais je ne dis bonjour à personne. Je réfléchis à haute voix. Eh bien, réfléchis en silence. Hein. Et continue à se faire un signe. Monsieur Breu, pour surveiller ce carte-figure, moi, je me charge de surveiller César. Tu te rends compte de ce que tu me fais? Tu me surveilles, là, comme si j'étais un tricheur. Franchement, c'est pas bien. Un ami d'enfance, je te remercie. César, je t'ai fait de la peine. Oh, c'est pas que tu me fais de la peine. Non. Mais quand tu me surveilles, là, comme si j'étais un scélérat, je dis pas que je vais pleurer, non, mais moralement, tu me fends le cœur. César, ne prends pas ça au tragique. Mais c'est peut-être qu'au fond de moi, je suis trop sentimental. Bon, alors nous jouons. Alors à moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien. À moi, il m'a rien dit. Bon, très bien. Cœur. Dis. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu lui dis me fin le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Allons, je joue cœur, pardi. T'es allé voilà tes cartes. Tricheur, hypocrite. Je ne joue pas avec un grec. Je joue pas plus fan que tu, sais. Faille payer le pas de pour en entrer. Je joue maître panisse. Et si c'est pas pour me faire pire ma gâte, tu me fin le cœur. Il est fâché pour de bon. Eh ben, il a tort. Hein. Oh, il a eu peut-être tort de fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Ah, écoutez, monsieur Brun, si on ne peut pas tricher aux cartes avec des amis, c'est pas la peine de jouer. Hein. Surtout que ce que tu m'as dit, c'était bien trouvé. Enfin, en attendant, il s'est débrouillé pour vous laisser les consommations. Mais nous étions quatre. Eh ben alors, on fait une manie à trois. Allez, je sors. Bonsoir. À demain. Bonsoir, Marius. Bonsoir, petit. Si Fanny savait où il va ce soir, elle se ferait de la bile. 30. Ouais. Parce que monsieur Marius va voir sa vieille maîtresse. C'est pour ça qu'il n'est pas encore fiancé. 32. Oh, les brigands. Dis, César, qui est-ce la maîtresse de Marius? Je sais pas. Mais je suppose que c'est une femme de navigateur, 33. Pourquoi? Ben, parce qu'il y passe toute la nuit. C'est que le mari ne rentre pas dormir. Ah, évidemment. 35. Et puis, tout le monde le sait, que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocu, 40. Hein?
Je dis, c'est dans la marine qui a le plus de cocus, 40 par 4. Qu'est-ce qu'il y a, Félix ? Oh, je t'ai fait de la peine. Oh, je te demande pardon. À qui tu demandes pardon ? Au marin ou au cocu ? Aux deux, pardon. Et tu crois qu'il suffit de t'excuser comme ça, en souriant ? Mais Félix, c'est pas de ta faute si tu es cocu. Et puis tout le monde le savait. Monsieur Brun ne le savait pas. Et c'est lui qui me l'a dit. Écoute, que je sois cocu, ça n'est pas impossible. Et d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Moi, tu peux m'injurier, tu peux m'escagasser la réputation, je m'en fous. Mais je te défends d'insulter la marine française. Et après la phrase que tu viens de dire, je ne peux plus faire la partie avec toi. Voyons, Félix, écoute. Je n'écoute rien. Je me présenterai ici, demain, pour recevoir des excuses. Bonsoir, monsieur Brun. Allons, capitaine. N'insistez pas, monsieur Brun. Félix, si tu veux des excuses, je te les fais tout de suite. Non, j'exige des excuses réfléchies. Mais il faut que tu te rendes compte de la gravité de ce que tu as dit. Mais c'est des paroles en l'air. J'ai jamais eu l'intention d'insulter la marine française. Je l'aime, la marine française. Je l'admire. Il se peut que tu aimes la marine française. Mais la marine française te dit merde.